Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard. Comment allez-vous les? Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mes aventures sur la série Auf Bergmann. Et vous pouvez le constater, j'ai terminé mon ensilage. Le silo est tassé, il est bâché, il est en train de fermenter. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Je vous l'avais dit, on était en train où on allait tout simplement transférer des animaux de la ferme. Puisque vous avez pu le constater, si je viens ici, elles sont un petit peu à l'étroit. Il y en a quand même un peu beaucoup, je trouve. Donc l'état des courses, on va récupérer ici. On va les transférer avec le 78-10 jusqu'au champ là-bas. Donc on va switcher, voilà, non, c'est impeccable. On est ici, on va démarrer, on va enlever le drive control, ça pourrait être pas mal. Et on va se lancer, gyropute, on y va. Est-ce que j'ai bien mis, voilà, est-ce que j'ai bien enlevé tout ça, c'est impeccable. Par contre, hop, on va faire comme ça. On n'est pas parti du bon côté, me semble-t-il. Ouais, on est parti du mauvais côté. Donc on va faire demi-tour, on est reparti dans l'autre sens. J'espère que vous allez bien. La vidéo de du ramassage de poubelles a plutôt bien plu. On m'a dit que ça changeait un petit peu, encore une fois. Hein. J'aime bien essayer de varier un petit peu les activités, même s'il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Il n'y a rien de nouveau non plus là-dedans. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un petit peu autre chose. La ferme est à droite, on est bien d'accord. C'est la route qu'on utilisait pour l'ensilage. On tourne, on va aller chercher nos vaches. On va amener donc la batterie pour la clôture électrique. Batterie 12 volts, hein. Je sais pas si vous, en tout cas ceux qui habitent pas en ville, est-ce que vous vous amusiez comme moi je le faisais, puisqu'on a un chalet dans la famille en alpage avec pas mal de vaches en estive, et il y a quand même un parc pour délimiter en gros pour qu'elle n'aille tout à fait n'importe où, avec une tige d'herbe, et puisque ça fait tac tac tac, et on essayait de toucher avec la tige d'herbe le fil du parc, et essayer d'éviter de se prendre la châtaigne, c'était ça l'idée, et c'était assez drôle, parfois bah, ça piquait. Parfois ça piquait, c'est peut-être pour ça que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, parce que ça a piqué quelques fois pour moi, c'était assez drôle, mais bon voilà, on s'amusait comme on pouvait, hein, dans les alpages, l'été, c'est bon, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Là on est bon, on va charger les vaches, on va déjà faire comme ça, on va charger les vaches, ensuite on va partir direction le magasin, hop, 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 le magasin est récupéré ce dont on a besoin, donc la trieuse mobile, est-ce que je vais passer, ouais c'est impeccable, et puis donc cette fameuse batterie, alors je sais pas comment on va la transporter, je pense qu'il faudra que, je sais pas où on va la foutre, alors là on est pas mal, normalement V ça baissait, non c'était pas ça, X ça où, bon, alors on va pas se faire chier, je voulais faire ça presque IRL, donc charger, hop, on va charger jusqu'à 6 vaches, on va confirmer, oui, elles sont dans la bétaillère, on va prendre le chemin, hop, de la partie prairie là-bas, on va déjà directement les déposer, et ensuite on va prendre direction le magasin, vous avez tout compris, c'est incroyable, mais vrai, il est magnifique, sur le 7810, il a, voilà, regardez la 3D ici, oh là là. Il me fout la gaule, il me fout une demi-molle, comme dirait le patou, salutations à toi mon batou, grosse bise, vivement que tu reviennes, voilà, que ça soit dit, que vous soyez content, moi aussi le premier de toute façon, mais vous aussi vous serez content qu'il soit de retour, vous aurez de nouveau la CB en début de vidéo, puisque moi je ne sais pas faire la CB, enfin, en tout cas je sais la faire, mais moins bien, voire pas du tout, ouais, ouais c'est à vous de voir, hashtag la CB de patou, voilà, pour le hashtag du jour. On a pris la bonne direction, ouais, impeccable, et normalement, je suis tellement paumé, ouais, il faut remonter ici. J'ai remonté ici tranquillement, allez, vider nos vaches, de toute façon, le parc, finalement, c'est celui qu'on a à gauche, là, j'étais plus certain, donc je préfère vérifier sur ma carte avant de faire trois fois le tour de la carte pour trouver l'endroit où il faut aller, hein. C'est aussi bien, on pourra mettre à récolter, je pense, là, c'est du tournesol, ouais, alors, on va faire comme ça, donc on aura le lait, a priori, qui va apparaître sur les caillebotis là sur cette espèce de plateforme ici. Il faut qu'on mette la trieuse mobile là-bas où il y a, vous avez l'autre icône. Ici normalement on est censé faire R, hop, on fait décharger. Voilà, et ça franchement c'est une activité que je trouve très intéressante sur Farming, pouvoir déplacer ces animaux d'un point A à un point B, enfin en tout cas d'un parc ou de la ferme à un autre endroit. Voilà. Hop, on va enlever un petit peu de tournesol au passage. On va rester ici et ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer un autre tracteur. On va prendre le. Tiens, allez. On m'a dit tu prends rarement des deuts. Bah écoutez, regarde, on va changer. On va prendre un coup un deuts. On va démarrer. Encore une fois. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. On va encore une fois enlever tac, le deuts Arsenic Modding. Pour ceux qui ne le savent pas. Disponible sur son site. On va prendre direction ouais, le magasin qui sera par là-bas. Est-ce que t'as quelque chose contre les deuts? On m'a dit non, non, j'ai rien du tout contre les deuts. Allez. Qu'est-ce que ça fait chier maintenant? J'ai le. Bon putain. C'est pas possible, il y a toujours une tuile quelque part. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je ne peux plus? Fous-toi à l'intérieur. Il y a peut-être une touche d'IC. Comment ça déjà la touche d'IC là-dessus? Détective d'IC, espace. Voilà, normalement ça a l'air pas mal là. Non, ça va pas mal. Eh, qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Et les amis, plus moyen d'enlever encore ce curseur de souris, mais c'est un truc de marteau, il y a toujours une tuile. Donc obligé d'enlever tout simplement la TH, et son ATH, bah ça fonctionne, on va pas chercher à comprendre, bref, c'est pas très grave. On est parti au balai, ce qu'on peut faire, on peut se mettre en vue intérieure, traquer aujourd'hui, aller à fond la caisse, direction. Donc le magasin va récupérer la trieuse mobile avec un 9340 TTV, on n'a pas trouvé plus petit. Donc voilà, à la limite j'espère que, je sais pas en tout cas si on peut mettre cette fameuse batterie à l'intérieur de, je pense pas. C'est que je pense pas, donc ça veut dire qu'on va se faire au moins deux trajets. Du reste on est bien parti, et non j'ai pas la carte forcément dans ce sens là. On est bien parti du bon côté, mais normalement oui, le magasin se trouve par là-bas. Ça devrait plutôt bien le faire, voilà, il est même par là-bas, il est même sur la gauche, là, il est ici, regardez ça, on va aller récupérer la treilleuse mobile, voilà, ça se passe aussi en alpage comme ça, hein. Il trimballe derrière eux, derrière des tracteurs, alors, le fermier du coin là-haut avait un Lamborghini, un petit Lamborghini, je pense 80-90 chevaux, bon, c'est largement suffisant pour les alpages, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des tracteurs gros comme celui-ci, hop, on va faire comme ça, on va recoulao, hop, normalement, on est attaché. Si on se fout en vingt extérieur, on est bien. Et ma batterie. Oh putain, c'est ce petit truc la batterie. D'accord, ok. Alors si on descend, il n'y a pas moyen de trimballer la batterie autrement là. Comment on fait pour la charger? Eh ouais, si on met pas le truc, on va pas pouvoir. Ah, voilà. Alors là, on aurait la batterie. Il n'y a pas moyen de la trimballer avec ça là, la batterie. Non ça va, à mon avis, ça va être niqué. Hop là. J'ai perdu ma batterie. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi acheter un véhicule. Alors, on va acheter un véhicule, je louche complet. Alors, si on prend, écoutez, on va prendre le Viano, là, je sais même pas ce que c'est, hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Si on prend un Rodeo couleur principale, je voulais pas ça, je voulais ça, voilà. Qu'est-ce que ça dit? Ça me l'achète, le Viano, et qu'est-ce qu'on peut changer? Viano, hop là. J'espère qu'on peut mettre quelque chose dedans, si ça se trouve on peut rien mettre dedans, comme un boulet je vais rien pouvoir mettre dedans. Alors qu'est-ce que ça dit? Le Viano il est là. Ah ouais, Farming Simulator 2017, wow, la classe. La classe, si on se met comme ça, est-ce qu'on peut y faire quelque chose avec ce truc? Enfin, je suis sûr qu'on peut rien faire de toute façon, ça va être la baise. Alors qu'est-ce que ça dit? Inverse putain le drive control ça c'est la limite presque relou ça. Qu'est-ce que ça dit ici? Bon. On va rien pouvoir faire avec le Viano. Bon non, ça c'est de la merde. Alors on va faire autrement. On va faire comme ça. On va hop le Viano. On va prendre un truc avec un pick-up. Comme ça on peut y foutre dedans. On va pas se casser le cul. Alors où c'est qu'il est ce machin? Voilà, ils étaient là. Hop, voilà. Le vendre. Oui. Voilà. Équipement vendu. Merci. Magasin. Hop. Voiture. Hop. On va se prendre celui-ci, on va se prendre n'importe comment, on en a rien à foutre, c'est pas l'objet, il est acheté, merci monsieur dame. Allez, alors, où c'est que c'est? On va prendre ici notre batterie, j'espère qu'il en faut qu'une, parce que si ça se trouve, il en faut plusieurs, mais bon, on verra bien. Hop, on va la poser là, on va faire comme ça, on va se foutre, hop, alors, démarrage, comme d'habitude, on va enlever ça, un petit follow me, hein, mon ami le follow me, il est pas mal fait quand même celui-là à l'intérieur, sincèrement, hein. CTRL F, distance du meneur 20, distance du meneur 15, ça me paraît bien. Il est bon maintenant, hein, entre le meneur et le suiveur, etc. à droite à gauche. Et on est reparti. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'il me suit? Est-ce qu'on arrive à le voir dans les rétros? Là, je sais pas. J'arrive pas à le voir dans les rétros, donc on va faire comme ça. Ouais, il est derrière. Allez, c'est parti. On y retourne, mais quelle activité, quel bordel. Le mec, il prépare presque. Hein. J'avais l'idée, en fait, aujourd'hui, le petit coup de lag de la sauvegarde. J'avais l'idée de la vidéo, maintenant je ne savais pas trop exactement, j'ai pas fait le test de la treilleuse mobile, j'ai pas fait le test de la batterie, j'avais pas percuté exactement comment le transporter. Bref, vous voyez, on fait ça ensemble, on est tranquille, on s'amuse, on se détend, on est là pour se marrer, bon Dieu, on n'est pas là pour se prendre le chou hein, sur des vidéos du Savoyard, ça c'est sûr. Voilà, allez, on y va. On devrait être pas mal, direction la ferme, hop, j'ai failli rater le chemin où la treilleuse mobile a fait du deux roues derrière, enfin du une roue surtout même. Il y avait une balle de paille qui avait roulé sur le coin du champ que j'ai zappé. Il y en a une ici, il y en a une là-bas aussi quand on prend direction. Si vous avez remarqué dans les précédentes vidéos, la déchetterie. Là-bas, il y en a une qui traîne aussi au milieu du champ. C'est pas bien grave. On se fait plaisir quand même, on s'amuse. On ira y chercher quand on aura le temps d'aller y chercher. Il y a des poubelles là devant la ferme. Vous me direz, on fait aussi des poubelles, nous, à la ferme. Hein. On fait pas que de la merde, on fait aussi des poubelles puisqu'il y a des habitations, la maison du fermier et de la fermière. Donc l'autre est toujours bien derrière, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça marche bien ce follow me? Et puis donc j'ai une petite idée, je vous ai dit que là j'étais un petit peu sur le course play.
Il y a une très très belle map qui est sortie, et puis on va essayer de faire pas mal de courseplay dessus. Voilà, l'objectif de la carrière, ça sera un petit peu d'utiliser le courseplay. Enfin, en tout cas, d'essayer de mettre en place le courseplay sur des moissons, sur des ensilages, sur des trajets, sur des transports, etc. Ça pourrait être assez intéressant. J'ai vraiment envie de me mettre sur ce courseplay. Alors, comment on fait? Il faut a priori qu'on rentre là-bas dedans. Donc, on va descendre, on va y aller. On va ouvrir le merdier. Voilà, la pâture. Donc, il y en a certainement peut-être une autre puisque c'est la marquée, la numéro 1. Hop, on va rentrer à l'intérieur. C'est tellement gros que je sais même pas si je vais arriver à rentrer à l'intérieur. Ok, et si on vient ici, qu'est-ce que ça raconte? Est-ce qu'on peut décharger? Comment ça se passe exactement? Je sais pas, il n'y a pas d'icône. Si je fais comme ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait exactement ici? Ah, ça a l'air d'être bon là, non? Non? Je sais pas si ça va marcher. Bon, écoutez, on va la laisser là. En tout cas, il y avait une icône hein, pour entre guillemets la foutre ici, donc on va voir. Il y a une icône, mais je suis pas certain que ça fonctionne comme ça. Bon, je sens la boulette. Je sens la boulette arriver. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, on va voir. On va récupérer Toc. C'est avec toi qu'il doit être coincé là. Contrôle F. Voilà, reste calme. On va se foutre à l'extérieur. On va foutre le 4-4 ici. On va. Et pourquoi? Comment on va récupérer la batterie? Voilà, si on va pouvoir la récupérer. Enfin, j'espère. Mets la TH. Hop. Est-ce que t'arrives? Est-ce que j'ai la main? La main! Je veux la main! Oh putain, ça va être chaud à récupérer ça. Je suis bien marrant. Bien con. Alors j'ai les sangles, super. Et putain, on va pas pouvoir récupérer la batterie là-dedans. Non, j'y crois pas. Ah. Oh putain, on peut regarder à travers. C'est incroyable, mais vrai. Où c'est qu'on met la batterie? Ici? Ouais, impeccable. GG, la batterie, 130 000 milliampères. Ah ouais, d'accord. Donc là c'est bon, on est en rouge, ça a l'air d'être bon. Bah je sais pas ce que ça va donner, on va. Est-ce que ça va marcher ça? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appuyer dessus, non? Et touche emergency. Et si. Ce qu'on va faire, on va essayer d'avancer un petit peu le temps juste pour faire le test pour voir, hop, si éventuellement on a un peu de lait qui se produirait ou pas. Est-ce qu'on a du lait qui est arrivé là-bas? Non, pas l'air, hein. Que dalle, hein. Que dalle. Je sais pas comment ça va marcher en fait. Je l'ai déposé là, mais je suis pas certain de. Co, 12 sur 200. Eh. Ah, mais il leur faut un peu de casse-croûte. Pâture, ok. Water. Donc, ok, il leur manque de l'eau et il leur manque. Ok, bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher. Où c'est que j'ai une cuve à eau, moi, là, dans ce merdier? Bonne idée, bonne question. Ici, qu'est-ce qu'on a? Où c'est que j'ai foutu ma cuve à eau? Et est-ce que. Oui, j'avais une grosse cuve à eau normalement là, dans ce merdier là. Puisque j'ai foutu de l'eau. Ah merde, elle était accrochée là-bas effectivement. Ok. Donc on va aller prendre celui-là. Pourquoi pas. On va changer un petit peu. Le monture pour la casiache. Et on l'avait dételé du 93-40. Donc c'est parti. On va les récupérer. Hop, j'ai regardé la montre. Oh putain, alors. Ça fait un truc bien spécial avec le trackier. Donc ce qu'on va faire, on va faire rapidement. Aller chercher de la flotte. Et moi je mettrai. On va passer par là. Et puis j'irai mettre. Alors, et. C'est de l'herbe, je crois, hein, du foin. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus dans quel sens on le lit. On va accrocher ça ici. Voilà. Allez, recule dans mon cono. Tourne la tête. Attelle tout ça. Ça a l'air d'être bon. Fais-y demi-tour. Ça devrait le faire. Oh, putain, elle est grosse. J'en étais sûr. J'en étais sûr que ça allait me faire chier. C'était certain. Ok. Par contre, j'ai l'espèce de. Voilà. Elle est vide. Normalement, on est censé. Ah, merde, quel con. J'ai sauté, je voulais sortir. Je vais simplement sortir d'ici. Démarrer, monsieur, s'il vous plaît. Alors, on va essayer de foutre de la flotte. Normalement, j'ai de la flotte ici. Putain, qu'est-ce qu'elle est grosse, ce truc. Putain, mais c'est à chaque fois que je vais me faire chier avec cette caméra. Mais décidément, aujourd'hui. J'ai même le truc. Regardez ce boulot là. Et les amis, j'ai dû carrément sauvegarder et sortir. J'avais même plus le curseur de la souris qui sortait. Enfin, un truc de fou. Décidément, on va pas s'en sortir aujourd'hui. C'est incroyable. Tout se ligue contre moi. Donc, résultat des courses, on va récupérer de la flotte. Normalement, on est censé pouvoir récupérer de la flotte ici. Non. J'ai plus d'eau? Si, il y a de la flotte là-bas dans le truc, non?
On va se mettre un peu mieux que ça parce qu'à mon avis on doit pas être très très bien en termes de placement. Voilà, tac, et si on fait R, voilà, ça remplit un peu d'eau. On va donc le ramener un peu d'eau et puis donc je m'occuperai de le ramener. Voilà, je pense que c'est de l'herbe, elles en ont, mais je pense que c'est du foin. Estro. Ouais, donc paille, je sais plus. Enfin bon, bref, c'est pas bien grave. On va se mettre 10 000 litres, voilà, on va pas en mettre non plus 50 000 litres. Voilà, on est bon. 10 190 litres, mets-y ton gyrophare. Direction la pâture number one, pâture numéro 1. Et puis bah écoutez, on aura pas mal bossé, j'ai envie de dire, hein. On aura déjà pas mal bossé pour aujourd'hui. Je n'ai jamais autant bossé depuis que le patou n'est pas là, bien évidemment, hein. D'habitude je compte et je m'appuie sur son épaule rude de sudien, d'homme du sud, voilà. Mais bon, quand on est tout seul, normalement il faut forcément faire un petit peu douloureux. C'est pas que j'en faisais pas du tout, on est bien d'accord, hein, mais j'en faisais un peu moins, c'est certain. C'est certain, voilà. Allez, on va déposer notre flotte. Et puis on sera bien. Oh mon colon, t'as que 10 000 au cul, hein, faut quand même pas déconner, hein. Faut avancer. J'aime beaucoup le bruit de ce tracteur, moi je sais pas ce que vous en pensez, il a un bruit très très sympa. Carrément différent de celui des autres. Et là, ça fait plutôt bien, c'est assez sympa. Allez, oh, on joue RP, regardez ça, mets le clignot, le mec qui veut prendre l'élan parce que dans la côte, je sens qu'il va en chier des ronds de chapeau. Là, on est bon, donc un peu de. Et après, donc où est-ce qu'il faudra? Ouais, c'est. Okay. On va en foutre dans l'espèce d'auge qu'il y a au centre, là-bas. Et on sera pas mal. Bon, bah écoutez, pour faire une petite activité, on a quand même 4 véhicules sur place. Le mec, lui, il travaille qu'avec du petit. Hein. Il travaille qu'avec du petit. Alors, avec un peu de chat, ça tourne. Et avec un peu de chat, ça rentre. Voilà, on est bon. Par contre, je vois plus la batterie là. C'est normal que je vois plus la batterie. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Je ne vois plus la batterie. Tac, et si on se fout ici? Ça remplit, c'est bien, c'est magique. On va aller jeter un oeil quand même à notre HUD là-bas pour voir ce qu'il en est. Parce que j'ai l'impression. D'accord, on l'a mis, mais elle est plus. Ok. Oh, bah en plus, il fallait 10 000 litres. J'ai même pas calculé en venant voir, mais il fallait 10 000 litres. Ok, impeccable. Bon, et écoutez, on verra la prochaine fois si ça commence à produire du lait. On va tout simplement. On laisse tout le matériel là, on s'en fout. On va fermer la porte. Hop là, merci, monsieur, dame. Et puis on va se quitter là-dessus. Les amis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Vous likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur Auberman. Ciao, bye bye!